Bonjour à tous, je reviens avec les calendriers de l'Avent. Pour l'ouverture des calendriers de l'Avent, donc la case 17 et 18. Donc j'ai commencé à ouvrir la case 17. Donc c'est parti Donc apparemment, c'est <coughs> un goodies, il me semble. Bah, c'est sans surprise une pince euh, à épiler, une lime à ongles qui a l'air euh, assez épaisse, si j'arrive à la sortir. Alors voilà, j'ai sorti la lime à ongles. Donc elle a l'air euh, assez épaisse, de très bonne qualité. On voit le grain. Voilà, c'est marqué The Beauty Shop. I like the way you smooth. Elle est plutôt euh, mignonne. Voilà, donc là c'est un goodies plutôt euh, très utile. Hein. Voilà, elle a l'air assez épaisse, euh, de très bonne qualité je trouve. Donc voici pour la case numéro 17. Ensuite on va faire la case numéro 18. Alors ça je l'avais vu l'autre jour en ouvrant cette case-ci parce que j'avais arraché le haut. Donc c'est un... comment ça s'appelle un galet effervescent pour le bain. Mmh, ça sent super bon. Pink grape fruit. Donc, je ne sais pas ce que c'est, pink grape fruit. Les fruits roses. Ben, on dirait que c'est au pamplemousse aussi. Voilà, comme la crème pour les mains. Voilà. Et nous allons ouvrir la case 19. Alors, ça, par contre, je l'ai pas pré-ouverte. Ah, bah, ben, elle est juste là juste ici alors donc la case 19 à force d'ouvrir les cases bah ça commence à se vider et on peut accéder facilement aux cases d'à côté je sais pas si c'est clair ah ça j'ai l'impression que c'est l'après-shampoing à la banane je vous montre ouais je pense que c'est l'après-shampoing à la banane c'est assez dur à sortir Je vous mets sur pause. Donc voilà la case 19. Donc c'est bien l'après-shampoing à la banane de 60 ml. Donc je suis super contente. Donc voilà pour les trois prochains jours. Voilà, enfin les trois prochains jours. Euh, je suis un petit, un petit peu fatiguée hein, ce soir. 17, 18 et 19. Donc très 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 contente. Voilà, 17, euh, 17 la Limaon, 18 et 19. Ensuite, on va passer au calendrier HM. Je suis en vacances, heureusement, car je suis vraiment très, très, très fatiguée. Donc, la case 17, elle est juste là. Alors. Ça, pareil, je l'ai vu passer sur Instagram. On avait eu un produit comme ceci que je n'ai toujours pas testé. C'est assez galère euh, à ouvrir les cases quand même. Hein. D'un autre côté, il faut que les calendriers soient bien maintenus. Ah, voilà. C'est un highlighter. Alors, je vais essayer d'ouvrir. De l'ouvrir. Non, j'y arriverai pas là d'une main. Donc c'est un highlighter comme ceci. Bon, on fera un crash test avec une partie des produits. Hein. Voilà. Donc la case numéro 17. J'espère que je ne me trompe pas. Voilà pour ça. Il y a l'air d'y avoir quelques petites paillettes. Ouais, on voit bien. Hein. On voit bien l'irisé. Bon, après, je suis pas spécialement fan. Euh... Des textures crème à tester comme le farajou pareil à tester j'ai pas encore testé la case numéro 18 alors la 18 la 18 elle est là ah c'est un petit baume à lèvres je vous ai toujours pas mis le concours en ligne des deux mini concours sur mon instagram je vous en fais gagner un comme ceci à l'orange par contre celui-ci je vais le garder pour le tester c'est pomme verte, green apple. Voilà, ouais, je vais le tester. Je vais en tester un sur les deux. Alors, faites pas attention à mes mains. Là, j'ai fait pas mal de, de travaux ménagers chez moi. Voilà. HM. Donc à tester. C'est un format de 0, non, 2,3 grammes. Ok, sympa. Voilà, à la pomme verte. Donc celui-ci, je vais le garder pour moi et le tester. Ensuite, la case numéro 19. La 19. Elle est juste là. Je pense à un rouge à lèvres. Ouais, c'est ça. Ah, Est-ce que c'est un lipstick Est-ce que c'est un, un gloss? Alors, je ne vois pas trop. On va voir s'il y a quelque chose de marqué euh, lip gloss, il me semble. Oh, c'est pas évident de lire. J'ai pas pris ma loupe parce que là, c'est vraiment écrit tout petit. Alors, bon, je pense que c'est un rouge à lèvres. Enfin, bref, vous voyez la couleur. Voilà, ça ne veut pas faire le focus ce soir. Je vais peut-être dézoomer un petit peu. On va voir. Il, a rien, à, il a rien à faire. Je ne vois pas du tout. Bon, enfin, bref, c'est un rouge à lèvres, un peu couleur marronnée, avec des sous-tons violets, on dirait. Donc voilà pour les trois jours des calendriers de l'Avent HM. Bah écoutez, j'ai hâte de tester. Moi, euh, en général, je préfère quand même les textures. Euh, les textures poudre hein, quand même. Bah là, ça fait bien le... Ça fait bien le focus. Alors, est-ce que ça va faire le focus pour le rouge à lèvres Est-ce que c'est un lip gloss, un lip... Euh... Est-ce que c'est un gloss ou un lipstick Je crois que c'est un lipstick. Donc un rouge à lèvres, tout simplement. Et le petit baume à lèvres, celui-ci, je vais le garder, par contre, pour tester. Voilà. Bah écoutez, euh, voici les trois jours des calendriers de l'Avent. Donc The Body Shop. Avec la petite lime, enfin la grosse lime à ongles, qui a l'air de très, très bonne qualité. Vous hein. voyez un peu Oh, J'ai légèrement abîmé euh, en l'ouvrant, mais non, ça s'est remis en place. Peut-être là sur le côté, peut-être ici. Non, 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 ça s'est bien remis en place. Elle est vraiment très, très sympa, hein, moi je trouve. Et puis le petit euh, bas moussant, je les ai toujours pas testé, que ce soit Action ou The Body Shop. Euh, J'en profite d'être en vacances d'être en vacances pour pouvoir tester euh, tout ça. Là, donc, j'avais eu la dernière fois, dans je ne sais plus quel numéro, les premières cases de The Body Shop, j'avais eu le shampoing. Et là, j'ai l'après shampoing nourrissant à la banane. Voilà, bah écoutez, on se retrouve plus tard pour la case, ça passe très vite. 20, 21, 22. Je vais peut-être euh, finir euh, les cases après. 20, 21, 22, 23, 24. Donc, je pense que vous aurez euh, la vidéo le 24 au, soir, euh, le 24 au matin. Allez, à, bye bye!